Bienvenue sur Nashweepler TV, l'émission Nash Fashion Buzz. L'événement que nous attendions tous, ça y est, nous y sommes. Qui sera la prochaine Miss 2015? Nashweepler TV au cœur de tout et partenaire média de l'événement vous présente l'élection Miss Cameroun Belgium 2015 et ses candidates bien évidemment. Une élection de beauté, de glamour, de paillettes et surtout de la célébration de la femme camerounaise. Le thème choisi cette année est celui du panafricanisme. À présent, découvrons nos Miss. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Franco, j'ai 21 ans et je suis étudiante en assistante de direction à Liège. Je me présente à Miss Cameroun Belgium 2015 et je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux en ce début d'année. My name is Eric Cambo. I'm 20 years old and I'm participating on Miss Cameroun Belgium 2015. Bonjour, je m'appelle Eyini Ghislaine. Je suis en première année de soins infirmiers à Namur. J'ai 21 ans. Je participe à Miss Cameroun 2015. Bonjour, je m'appelle Cheryl Tekam, je participe au concours Miss Cameroun Belgium et je suis serveuse au Shangri-La à Visée. Bonjour Russell. Bonjour Nash. Que peux-tu nous dire concernant l'ensemble des festivités de l'élection Miss Cameroun? Si je peux commencer par le début, c'est-à-dire ce projet a été initié l'année dernière. Au moment où on lance le projet, il y avait un scandale justement concernant les femmes camerounaises qui avaient certaines choses avec des hommes blancs, machin. Il y avait une image qui circulait comme ça. Avec le fameux reportage sur... Exactement, sur RTBF. Bon, moi de mon côté, patriote camerounais que je suis, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire parce que ça, ça ne reflète pas l'image de la femme camerounaise que je connais. Donc du coup, j'avais envie de proposer autre chose, proposer la véritable image de la femme camerounaise que je sais, être dynamique, charmante, cultivée. Et je me suis dit mais moi en tant que créateur de mode, qu'est-ce que je peux faire pour... Et là, en créateur de mode, mettre cette beauté en avant. Exactement. Donc, et c'est de là, si vous regardez bien le concept de Miss Cameroun, c'est vraiment au-delà de la simple beauté. Je m'appelle Philippe Yolande, je suis étudiante en aide familiale. Pourquoi je participe à Miss Cameroun? Parce que ça a toujours été mon rêve d'y participer et pour représenter la femme africaine avec toutes ses valeurs. Bonjour, je suis Catherine Mbala, j'ai 20 ans. Je me présente en tant que Miss Belgium pour représenter la jeunesse camerounaise et l'exemple de la jeunesse. Alors je suis top modèle et fonctionnaire à la mairie, donc j'espère que vous serez là le 28 février en Belgique pour me soutenir. Merci beaucoup. Coucou, je m'appelle Audrey Faure, j'ai 23 ans et je suis... vendeuse et je participe au concours Miss Cameroun Belgium pour représenter la femme camerounaise avant de représenter la femme africaine d'abord, la camerounaise. Subgo Marlène Sandrine, je suis en deuxième année en sciences de l'éducation et cette année je me présente au Miss Cameroun Belgium 2015 et j'espère vous voir tous le 28 février. Durant l'année, quel est le rôle de la Miss? Le rôle de la Miss principalement est de représenter JDA. JDA, c'est notre association, Jeunesse Dynamique Africaine. C'est une association qui contribue à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en décrochage scolaire chez nous. Et ici, on va ouvrir d'autres succursales. On présentera justement le centre culturel africain. La Miss Cameroun 2014 ira au Cameroun le 10 février pour... réceptionner déjà l'ensemble des matériaux que nous avons achetés, dont les matériaux industriels de couture. Donc comme je vous ai dit, on contribue à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en décrochage scolaire. Donc on a déjà ce premier volet des machines qui sont déjà là-bas. Elle va aller un peu installer tout ça. Il y aura un peu des festivités pour l'accueillir, etc. Et présenter justement JDA au niveau du pays, quoi.
qui peut se présenter à l'élection Miss Cameroun? Ne peut se présenter à l'élection Miss Cameroun, comme son nom l'indique, qu'une fille camerounaise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un des parents d'origine camerounaise. Et c'est le seul critère. Et après, il y a les critères d'âge, évidemment. Mais le critère principal, avoir au moins un des parents d'origine camerounaise. Et alors, au niveau du jury, comment la sélection du jury se fait? Quand quelque chose porte le nom Cameroun, ça doit avoir une consonance, quelque chose. On ne prend pas, tu vois, enfin, tout le monde pourrait être membre du jury. Donc, j'ai par exemple pris des gens comme Justine, qui est l'organisateur du pavillon camerounais au Festival de Cannes, qui sera présent. On a des gens comme la présidente du jury, Chantal Aïssi, qui est icône de la beauté camerounaise depuis plus de 20 ans. On a, voilà, on a comme ça, je ne peux pas citer non plus tous les membres du jury. Non, y a des risques, tout ça. Mais croyez-moi, le jury, le niveau est bon. On a pris des blogueuses, des gens qui travaillent dans la mode, qui savent très bien apprécier la beauté de la femme. Donc toutes ces personnalités-là seront là, présentes pour nous accompagner ce soir-là. Bonjour, je m'appelle Doris Matéker. J'habite à Bruxelles. J'ai 18 ans. J'étudie en habillement. Je vais être styliste modéliste et je participe à Miss Cameroun 2015. Bon après-midi, je m'appelle Yasmine, j'ai 21 ans, je suis en 7e année de garde d'enfants à Koukré. J'aime faire du shopping comme toutes les femmes, danser et m'occuper des enfants. Bonjour, je m'appelle Achigenou Nadej et j'ai 21 ans. Et je suis étudiante, je participe in Miss Belgium 2015. Thank you. Bonjour, je m'appelle Françoise Mabout, j'étudie en comptabilité à Namur, j'ai 20 ans et je souhaite participer à Miss Cameroun parce que c'est un rêve que j'ai toujours voulu faire et aussi le fait de montrer aussi la femme camerounaise et je voudrais surtout que ça se réalise et je compte pour vous, pour que vous soyez là et présents lors de ces élections. Merci. Je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a énormément d'invités prestigieux les uns les autres. Cette année, en termes d'invités, qu'est-ce qu'on nous réserve encore? Ben déjà, on va faire la même chose en invitant toutes ces grandes personnalités qui étaient là l'année dernière. Évidemment, cette année est placée sous le thème du panafricanisme. Ça, c'est très important parce que chaque année, j'utilise un thème. Donc, le thème de cette année, c'est du panafricanisme. C'est-à-dire que mettre un peu en avant et tout. Parce qu'évidemment, avec tous les drames qu'a connu l'Afrique ces dernières années, évidemment, moi, je suis très panafricaniste, hein, il faut le connaître. Donc, je vais essayer lors de cette soirée-là de faire comprendre à tous les Africains qui seront là qu'on est un. On est un avant tout. D'où justement la création du centre culturel et les personnalités invitées, tous ces ambassadeurs. L'année dernière, ils nous ont fait honneur d'être présents et cette année, on espère que voilà, ils seront toujours là. Et voilà, donc on met tout en place en tout cas pour accueillir ces personnalités. Et si je peux dire un truc, voilà, si je peux dire un truc au public, c'est que franchement, cette année, il faut qu'on fasse l'effort. Des fois, les Africains sont toujours en retard. Non, mais il faut le dire, c'est important. On essaye, je veux sensibiliser les gens, s'il vous plaît, arrivez à l'heure, c'est hyper important. Toutes ces personnalités-là ne peuvent pas arriver et s'asseoir et attendre, machin. Arriver à l'heure pour une fois, relevons ce défi. Nous les Africains, là je regarde la caméra et je dis, nous les Africains, faisons l'effort, relevons ce défi cette année, arrivons à l'heure, c'est important. Bonjour, je m'appelle Diane Mbakop, je suis étudiante à Malines, en secrétariat, j'ai 20 ans et je suis candidate pour Miss Cameroun Belgium 2015. Dames en heren, mijn naam is Jessica Achbor, ik ben 20 jaar en ben student in de richting medisch secretariaat mijn eerste jaar. En ik neem deel aan Miss Cameroun 2015. Bonjour, je m'appelle Laetitia Ndoebek, j'ai 18 ans, je fais une formation au secrétariat. Je suis candidate à Miss Cameroun Belgium édition 2015.
résultats de cette élection. Quels sont les dessous? Les dessous, vous pouvez pas, je ne peux pas tout dévoiler ici. Évidemment, il n'y aurait plus d'intérêt. Donc, hein? Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de choses à découvrir lors de la soirée. Il y a des artistes en herbe, il y en a plein. Il y a des artistes et des véritables artistes qui n'ont pas justement toujours la grosse vitrine internationale. Pourtant, le talent est là, la valeur est là. Hein? Tu vois notre ami Khadijé, par exemple. Ah oui, Khadijé, j'adore. What a Bamba, le dernier. Donc voilà, il est là. Il y a des gens, enfin, je ne peux pas tous les citer. Des gens peuvent aller sur notre page pour avoir des informations. Justement, on va publier des informations de façon graduelle de tous les artistes qui vont participer, une petite biographie pour que les gens prennent un peu connaissance de qui c'est, etc. Quoi. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au comité à l'élection Miss Cameroun Belgique? Que tout se passe comme maintenant, que tout se passe super bien. J'avais un petit, pas des doutes, mais j'appréhendais un peu. Mais vous voyez vous-même, tout se passe super bien. Les filles sont magnifiques. Donc voilà. Et tu sais, quelque part aussi, il y avait ce challenge à relever. Que, parfois, les filles camerounaises, oui, machin. On a voulu aussi démontrer que la femme camerounaise est tout aussi belle que toute autre femme sur cette planète. Je confirme. Donc ce défi-là est relevé dès la première édition. Et cette année encore, laisse tomber, t'as qu'à les voir. Elles sont pimpantes. Donc moi je suis super heureux et j'ai hâte d'être le 28 février quoi. Ah bah alors une seule chose, soyez tous là le 28 février pour la célébration de la beauté de la femme camerounaise. Et Nash People TV sera des vôtres aussi. Absolument, merci beaucoup Nash. Merci également Russell. L'événement sera couronné par la présence de hautes personnalités, des artistes de talent, des acteurs du showbiz et toute la sphère médiatique. Un jour, un lieu, une adresse, le 28 février 2015 au Birmingham Palace, au 112 rue du Birmingham à 1070 Bruxelles, en Belgique bien sûr. Soyez nombreux, venez et liez votre reine de beauté et Nash People TV sera de la partie. Voilà, je suis Russell N, donc créateur de mode en Belgique et je vous invite tous à suivre Nash People TV. Nous sommes les candidats de Miss Cameroun Belgium 2015.